Moi, qu'est-ce que j'aimais le plus à la ferme, c'était vraiment, j'aimais tout. J'aimais mes vaches, j'adorais travailler dans les champs, je touchais à tout, la plomberie, l'électricité. C'est ça que j'aimais vraiment de mon métier. Pour, les croisements, Angèle s'est entourée, disons, de personnes, là, puis elle était passionnée de ça. Fabien, lui, il était quelqu'un, là. Disons, je me rappelle, à l'âge de 4 ans, il allait à la maternelle, puis un moment donné, il revient de la maternelle, puis il dit, « Moi, je ne veux plus à la maternelle si vous changez des vaches de place encore. » Fait que, OK. Fait qu'après ça, on a vu, disons, l'intérêt qu'il portait vraiment aux animaux, puis aux vaches, là. J'ai toujours bien aimé les vaches aller à l'étable, puis quand j'étais jeune, j'avais 12 ans environ, mes parents m'ont offert une genisse à Noël, puis c'est ça, c'était bien spécial. Elle était née une journée avant ma date de naissance, puis elle avait un F dans le front. C'était bien... c'était ma genisse, c'était la plus belle genisse au monde dans ce temps-là. Autour des années 2008, on a eu une vache très spéciale ici, une Goldwyn qui a fait 87 à 2 ans. On était très heureux de ça. C'était la première fois qu'on avait ça, puis c'était une des seules en ce moment-là en région. Puis à sa lactation suivante, elle a fait 89. Aujourd'hui, présentement, une de mes meilleures vaches dans le troupeau, c'est une de ses filles à elle. Elle vient de valer de son 9e veau quand même. Présentement, elle a un Super 8 à son actif. Elle vient de franchir 150 000 kilos. Dans les dernières années, j'ai eu beaucoup de vaches longue production, 100 000, 120 000, 140. C'est ça, présentement dans le troupeau, j'ai plusieurs vaches 7, 8, 9e lactation. Dans les prochaines années, on a comme projet de construire une étable à stabulation libre pour automatiser ça et pouvoir passer plus de temps avec la famille et les enfants. Je pense que Fabien, dans l'équation, il était l'ingrédient qui manquait, parce que je suis pas sûr si on aurait continué, moi et Angèle, qu'on aurait parvenu à ça. On était passionnés de ça, mais je pense qu'il manquait un ingrédient ou un élément. Puis Fabien, bien, ça a fait la différence, je pense.